Salut les gars, glitch, duplication de véhicules, difficile à faire vraiment, donc je vous le présente quand même, parce que là on a trouvé une petite technique un peu plus simple. Donc il vous faudra un camion mobile, une Elegy RH8 custom à l'intérieur, un ami, et il faut que vous soyez en motard, en club de motard. Donc vous remplissez un garage, un seul garage de Fadjo. Parce qu'il faudra que ce véhicule y aille à l'endroit des Fadjo. D'accord? Vous pouvez pas mettre le véhicule ailleurs, il sera planté. Il vous faudra une oppressor. C'est la moto, la nouvelle moto oppressor. Donc là, je vous explique. Mon ami, il va se mettre en l'air, il va voler. Et quand je lui dirai go, il va sauter de la moto. Voilà. Donc il sautera en l'air. Moi, là, je vais faire rappeler vider véhicule personnel. Donc je vais dans véhicule, je fais rappeler véhicule personnel. Il faut qu'il soit en l'air, mon ami. Donc dès qu'il est en l'air, il me dit go, je fais rappeler véhicule personnel. Je vais vite dans le club de motards, je mets Fadjo, je clique et je me mets comme je suis sur le rond, je vais rentrer dans le garage, dans le camion de fonction. Une fois dans le camion de fonction, je monte dans la custom. Je compte 1, 2, 3, 4, moi 4. Je dois sortir du camion. Et mon ami, il va s'éjecter à 3. Donc environ, il y a 1 seconde d'écart. D'accord? Donc là, je le réinvite. J'ai raté. Parce que ça va assez vite, hein. Donc vous n'aurez pas trop de temps. Il va falloir que vous vous organisez à avoir un timing, vous et votre ami. Donc à 3, c'est l'ami qui saute. Et moi, à 4, qui part. Qui sort du camion. Donc dès que vous avez ouvert la porte, vous pouvez commencer à compter. Donc après, une fois que vous aurez le timing, vous verrez que vous allez pouvoir enchaîner, mais vous allez rater pas mal de fois la duplication. Donc voilà, soyez patient, faites des tests. Si au moment vous galérez, patientez, il y aura d'autres glitches. Donc là, je commande l'oppressor pour mon ami. Je vais me mettre devant le garage avec mon menu dans véhicule. Renvoyer véhicule personnel. Une fois que j'ai appuyé sur véhicule personnel, là vous voyez, je vais m'avancer un peu, je vais me mettre sur le rond. Dès que j'ai renvoyé véhicule personnel, je vais vite dans motard et je commande un Fadjo. Et après, comme le menu va s'enlever, ça va me faire rentrer dans le garage. Une fois que je suis rentré dans le garage, je monte. Je compte 1, 2, 3. Là, c'est lui qui saute. Et moi, à 4, c'est moi qui ressort. Voilà. Donc, il y a un petit timing décalé. Donc là, vous voyez, là, c'est pas mal. Quand le véhicule, il disparaît, c'est pas mal. C'est mieux que d'être dedans. Donc là, ça veut dire que j'ai une petite seconde à rajouter, moi. J'y suis presque. Donc, quand le véhicule, il disparaît, c'est que, voilà, c'est un peu décalé. Donc venez voir aussi la vidéo du braquage en défi élite facile à faire. Donc ça fait 1 500 000 le braquage. C'est toujours pas mal. À partager à 3 bien sûr. Et ça peut faire pour un ami à 70%, ça peut lui donner entre 950 et 970 000. Donc allez le voir ce glitch, c'est une tuerie. Donc quand vous voyez que ça marche pas trop aussi, bougez le camion, ça peut aider. Voilà, je vous donne un peu les techniques parce que franchement, il est dur, hein. Moi, je voulais pas vous le présenter sur la chaîne. Là, je vois que c'est une technique un peu plus facile. Donc, mon ami, il doit s'éjecter de la moto en l'air. Quand je lui dis go, enfin, c'est mieux que le coup de se poser, tout ça. C'est trop compliqué. On le rate beaucoup de fois. Bon, après, il y a un timing, hein. Une fois que vous en aurez fait 2-3, vous allez arriver à dupliquer. Donc, on va recommencer. Voilà, là je me mets sur vider véhicule personnel, je me mets dans le rond, comme ça je serai de suite dans le garage. Mon collègue va me dire le top quand il est en l'air. Hop, top, je commande un Fadjo. Je monte. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai encore raté.
C'est vraiment dur, hein. Après, je vais pas vous dire, vous allez en réussir 3 d'affilée, vous allez en rater 4 fois d'affilée. Testez-le, les gars. Voilà. C'est un petit glitch, voilà, ça vous fait des véhicules quand même, hein, mais il est vraiment dur à faire. Donc en gros, moi, en 10 minutes, j'en ai fait 2. Ça fait quand même 2 millions, mais on a vu plus fin, plus simple. Allez, cette fois, c'est la bonne. Donc là, je vais demander la moto. Je me remets devant le garage. Je vais dans le pavé tactile, véhicule, renvoyer véhicule personnel. Dès que mon ami a bien sauté, il me dit go. Hop, je recommande un Fadjo. Et là, 1, 2, 3, 4. Après, votre ami peut trouver un timing. Là, vous voyez, je l'ai réussi, la duplication. Donc là, celle-là, je la mets dans mon garage. Où seulement ici, il y aura des Fadjo. D'accord? Parce qu'on ne pourra pas trop calculer d'où vient le Fadjo. Il faut remettre le véhicule d'où le Fadjo est sorti. Sinon, votre véhicule est buggé, vous avez raté. Ça va redevenir un Fadjo. Donc là, vous voyez, j'ai le garage, il est rempli de Fadjo. J'en ai pas ailleurs. Bon, je vais essayer maintenant de vous en faire une autre. Comme ça, vous allez vraiment voir que, bon, moi, je l'ai un peu testé, le glitch, je ne l'ai pas fait beaucoup, hein. Mais c'est pas dit de réussir à tous les coups, hein. Voilà, donc j'invite mon pote. Là, il est pas loin. Les gars, pensez à vous abonner, à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Un soutien. Encore merci pour le concours. Tout le monde a participé. Tout le monde y fait un petit effort et il écrit un petit message. Ça fait grave plaisir. Je vois qu'il y a du soutien, ça motive. Et j'espère vous trouver de bons glitches, que vous ayez votre argent pour jouer à GTA 5 Online en paix. Avec les munitions qui vont bien, parce que le jeu coûte de plus en plus cher et c'est pas évident. Pensez au braquage pour ceux qui commencent le jeu. Vous avez le braquage illimité, il suffit qu'il y en ait deux qui relancent le jeu, la mission, et vous pouvez gagner de l'argent en illimité. Voilà, pareil, je commande l'oppressor, je dis à mon collègue où il est, je prépare mon menu. Allez, c'est parti. Commande un Fadjo. Ah, j'aurais dû être sur le rond. Ça a été raté, mais c'est pas loin. Quand le véhicule disparaît, c'est qu'on n'est pas loin du but, hein. On réinvite notre ami. Oui. Il est pas loin.
Voilà, donc moi je vous conseille de faire duplication déléguée, c'est celles qui rapporteront le plus. Après, vous pouvez faire n'importe quelle voiture de chez Bénise. Et voilà, je vous déconseille les voitures normales. Au pire, dupliquez vos originaux. C'est celles qui vous rapporteront le plus. Et vous gardez la duplication. Donc voilà, mon ami, pareil, reprend la moto. Ça, il me prévient, il est en l'air. Hop, un Fadjo. Je compte jusqu'à 4. À 3, mon ami, il s'éjecte. Après, vérifiez votre timing. Hein. S'il faut, vous faites sortir à 2, vous à 3. Bon, en tout cas, la moto descend avant celui qui est dans le garage. Voilà, c'est tout. Donc là, j'ai ma deuxième duplication. Donc je vous ai fait ça en 10 minutes, je vous ai fait deux véhicules, ce qui représente à peu près 2 millions. C'est déjà pas mal, je pense. Vous pouvez faire mieux, parce que vraiment, je suis pas un expert sur ce glitch, je l'ai fait vraiment pour vous. Donc j'espère que vous allez vous enrichir, les gars. Je vous dis à bientôt, grosse bise à tout le monde. Ciao, ciao.